Frappez-les à gauche, frappez-les à droite, frappez-les partout, ça fera mal, mal, mal. Très bien, les amis, il va falloir les achever. Ils s'attendent probablement à ce qu'on laisse filer la balle en balle au bord, alors que c'est eux qu'on va expédier à l'enfer. Bien sûr, je pourrais très bien leur faire d'autres surprises tirées de mes expériences, comme le conte de ce soir. Il va parler de quelques frères très liés qui ont décidé de faire de l'horreur une source de revenus, d'une façon un tout petit peu ironique. J'ai intitulé ce conte « Des frères très soudés ». Que dalle! Il ne reste plus rien. Oh, c'est pas vrai, mais qui a fini la bouteille de punch? J'en sais rien. Saloperie. Un biscuit? Mmh. Non, merci. Ouais. Hey, Billy. Mmh. Est-ce que tu crois que Frank et Jesse James ont aussi attaqué des entrepôts pour les piller? Non, c'est possible. Mais un entrepôt de glace, Billy, est-ce que c'est possible? Non, pas un entrepôt de glace, petit frère. Ah. Ah. Mais on est aussi des sortes de Frank et Jesse James, hein, nous deux, Billy. Ouais. En attendant, ferme-la, je regarde ça. Ouais. Bien sûr, Frank et Jesse James voyagent à cheval et nous, on roule en impala. Mais un impala, c'était bien un cheval, hein, pas vrai, Billy? T'en es ras-le-bol de ton Jesse James à la manque! Laisse tomber ce type, c'était une lavette! Il a pas fait 2 ans de prison à Saint-Quentin comme moi, cet idiot! Ah non, non, Billy. Ah, je suis désolé, Virgile, je sais pas ce qui m'a pris. Tu sais que je t'adore, hein, pas vrai? Hein? Mais, s'il te plaît, dis qui c'est ton petit frère, hein? Hein? Qui c'est qui s'occupe toujours de toi, hein? Et c'est toi, Billy, t'es le meilleur. Rien d'intérêt que c'est moi. Mais pourquoi tu te poses des questions à propos du coup de demain? Est-ce que t'es nerveux? Non, Billy, je sais ce que j'ai à faire. Bien, hein, parce qu'on n'a pas le droit de se planter, t'en es conscient? Bien sûr que oui, on aurait des problèmes, beaucoup de problèmes. Ouais, plein de problèmes. Alors, on va répéter une fois de plus. Qui est dans ton équipe? Le petit homme écouteur. Très bien. Quelle est la première chose que tu feras quand t'arriveras? Et je dirai à Tom qu'il doit passer prendre des papiers au 41 tout de suite. Et si jamais il fait des difficultés? Ah. Je dirai que l'ordre provenait du bureau du chef comptable. Et après, j'attendrai que Cooter fasse sa pause et là, j'enlèverai le verrou. Mais non, quelle cloche! Tu débranches le système d'alarme après qu'il ne l'apporte. Ça, c'est vrai. J'ai saisi. C'est vrai. S'il te plaît, dis-moi que t'as saisi. C'est vrai. C'est ça, je suis désolé. Je vais m'en souvenir, Billy. C'est promis. C'est promis. Je l'espère, René. Dis rien. Ça va, ça suffit comme ça. Allez, va te préparer. Il y a une chose que je vais faire avant de toucher le gros lot demain. Et c'est quoi, Billy? Allez nous acheter des glaces. Des glaces. Ah.
Il y a plein de choses qui changent jamais, même quand tu t'absentes longtemps. Comment se retrouve Monsieur Bird? Attention, ouais, c'est une amie, parfois. N'oubliez pas, il y a une limite à ma bonté. D'accord. Ta-da! Ouais. Hey, Monsieur Bird, on dirait que tous nos amis veulent des glaces. Oh, bien sûr que oui, petit Willy. Mais qu'est-ce qu'on doit faire avant tout ça, petit Willy? Manger la plus grosse. Eh bien, si Danny a envie d'une grosse glace, Monsieur Bird, je lui recommande un de mes délicieux milkshake glaces. Oh oui, c'est une excellente idée, petit Willy. Ils se font en 8 parfums différents et ils sont vraiment délicieux. En fait, je crois que je vais en goûter un tout de suite. Pourquoi tu ne racontes pas à nos petits amis une de tes histoires toc-toc pendant que je savoure cette fabuleuse boisson à 75 cents au goût sensationnel? Très bien, les petits enfants. Qui veut jouer à toc-toc avec moi? Moi, je veux jouer. Ah, très bien, toc-toc. Qui est là? J'ai dit qui est là? Qu'est-ce qui se passe, Bird? Tu ne reconnais plus un de tes chers vieux copains? Je conduisais une voiture comme la sienne. Oh, bien sûr, j'ai pas l'air aussi prospère que toi. C'est vrai, j'ai passé les deux dernières années à moisir tout seul en prison. Mais tu n'as sûrement pas oublié. Tu m'y as expédié. N'ai pas oublié, Billy. Toi, tu dissimulais tes bénéfices. Tu vendais de la marchandise à ton profit. Tu n'étais qu'un voleur. Hé, hey, tirez-vous, mon vieux. Non, je plaisantais. Ah, il a absolument raison, les enfants. J'ai eu ce que je méritais. Et pour te montrer que je suis pas rancunier, je vais même te prendre une glace. Voyons. T'as rien dans le style marron fraise? Non. Marron pêche, alors? Non. Marron poire? Non plus. Je crois avoir du marron citron. Parfait. Même en deux. T'as la monnaie? Ah, certainement. J'espère que tu ne m'en veux pas, Billy. Après tout, ce qui est fait, est fait. Tu sais, t'es un type bien, Bird. Si seulement je t'avais parlé avant de faire l'idiot. Mais... Hé, hey, petit. Tiens, attrape. Hé, hey, qu'est-ce que c'est? Des petits beurres. Ah, pauvre mec. Qui veut une bonne glace? Moi, j'en veux une. Tiens, surprise. Hé, hey, hey, hey. Merci. Hein. Tu vas déguster demain, Bird. Merci, Billy, c'est qu'un vieux... marionnettiste. J'en ai rien à foutre que sa marionnette soit son seul vrai copain. Je veux me venger. Oh, bien sûr, Billy, tout ce que tu voudras. Après tout, c'est toi qui as fait de la prison. Ta gueule! C'est pas vrai. Je le hais. Allez, tiens, prends la mienne. Régale-toi. Il m'a coupé l'appétit, ce vieux fou. Virgile! Hooter! Oh, c'est pas vrai! Où est-ce qu'ils sont encore passés, ces deux abrutis? Oh! En plus, ça les fait rire, ces débiles! J'en ai marre de vous deux! Où étiez-vous? On travaillait. Tu veux dire que vous faisiez les imbéciles? Ouais, je faisais ma pause. Écoute, mon vieux, ici, on n'est pas dans un parc pour les petits garçons en culotte courte! J'ai pas de culotte courte, moi! Écrase! Bon, le vieux Bird vient de se pointer. Et où est-ce qu'il est passé, le petit homme, hein? Ah, il a dit qu'il devait aller au 41 pour y prendre le relevé des stocks. Quoi? Et qui lui a dit de faire ça? Le chef comptable. De quoi il se mêle? C'est vrai, quoi? Comment je vais pouvoir faire tourner la baraque par ici? Quand je reste seul avec vous deux, vous qui ne valez rien? Il sait pourtant que Monsieur Bird n'est pas un homme qui aime qu'on le fasse attendre.
C'est comme ça que ça se passe depuis 15 ans. Quand Monsieur Bird prend rendez-vous pour se réapprovisionner, il arrive toujours à l'heure. Et il s'attend à la même exactitude de notre part. C'est un monsieur, ça, qui a encore le sens des bonnes vieilles valeurs. Vous savez que vous pourriez apprendre deux ou trois choses avec Monsieur Bird. Oh, mon Dieu. Oh, je crois que nous avons assez vu Monsieur Bird comme ça. J'ai pas raison, les petits-enfants. Allons d'une pipe, Billy. C'est bien, toi? Cooter, tu vas bien? J'ai bien fait. Il a pas volé, lui. Bonjour, Madame Graffuner. Et bonjour à vous aussi, Monsieur Bird. Je vais vous faire servir tout de suite, mais pardonnez-moi, j'ai un homme en moins aujourd'hui. Oh, pas de problème. Alors, Monsieur Bird, est-ce que nous aurons le plaisir de vous voir à la grande soirée des vendeurs cette année? J'ai peur que non, Madame Graffuner. Ce serait pourtant une surprise agréable de vous y voir pour une fois. C'est drôle, mais je viens de m'acheter un ravissant petit ensemble. Et il aurait vraiment l'air très chic à côté d'un parfait gentleman comme vous. Je regrette, Madame Graffuner, mais je ne suis pas très portée sur ce genre de frivolité et de mondanité. Oh, moi aussi. On n'a qu'à oublier cette soirée et s'offrir un gentil petit dîner en tête à tête tous les deux. Oh, vous savez, je fais les meilleures pommes de terre chips et l'un des meilleurs cassoulets que vous ayez jamais goûté. Je suis désolée, je regrette. Parfait. Je ne vous ai pas vexé, au moins. J'ai dit parfait! Ça vous fera 156 dollars. 156? Ah, d'accord. Et c'est ce que je viens de dire. Tenez, les voilà. Alors, t'as compris? Tu vois ce que je voulais dire? On va l'attirer ici où personne ne nous verra et après on lui réglera son compte. Ça nous fera 500 dollars de plus en liquide. Mais t'avais pas besoin de casser le nez de Cooter, Billy. Virgile, ce type est un idiot, alors non, c'est faux, il est malin, Billy. Il est très fort, comme la fois où il m'a demandé qui serait le plus fort. Darth Vader, Robocop ou les monstres. Et moi, j'ai dit Darth Vader, mais Cooter, lui, il a fait plein de recherches après ça. Tu vas la fermer, oui. Enfin, tu es aussi stupide que lui ou quoi? Oh, c'est... Virgile! Je suis fâché. Non, Virgile, s'il te plaît, tu vas pas recommencer. Ah bon, très bien. Quand Graffuner sera dans son bureau et Bird ici, qu'est-ce que tu devras faire? Hein? Oh, j'en ai marre. Virgile! Mais tu vas attendre qu'elle ouvre le coffre et après tu vas t'approcher d'elle, d'accord? D'accord? Ensuite, tu la feras tenir tranquille le temps que moi je me charge de Bird. T'as compris? Virgile, s'il te plaît, c'est pas le moment de faire la tête. J'ai besoin de ton aide. Non, c'est pas vrai. Mais si, bien sûr que si. Non, c'est pas vrai, tu mens. On fait équipe. Tu mens, tu m'aimes mais pas. Mais oui, tous les deux. T'es toujours en train de crier après moi, t'es toujours en train de me frapper, tout ça. Mais non, c'est là que tu te trompes, mon petit vieux. T'as pas compris? Tu l'as pas senti? C'est pas moi, c'est les autres. Ouais, qui c'est? Les autres, tout le monde. Tous les types dehors qui disent que les frères des Lucas c'est des ratés. Des paumés, des épaves, des larves. Qui c'est qui a dit ça? Tout le monde, Virgile. Tout le monde. Non. Si, oh oui, les flics, les banquiers, les avocats. Même Graffuner. Virgile! Non mais c'est que je suis assez pressé. Ah, ça va, ça va. Un peu de patience. Cet idiot ne peut même pas charger son camion. Mais pourquoi est-ce qu'il changerait? Ça se passe comme ça depuis 15 ans. Virgile! Je la déteste. Moi aussi, petit. Mais on fait pas le poids. Toi et moi, on devra toujours s'écraser. Je vais me la faire, Billy. Je vais me la faire pour toi, ça leur apprendra. Non, 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 non. Tu vas suivre notre plan. Oh, mais j'en ai envie. Oh, j'ai envie de me la faire. D'accord, fais comme tu veux. File-lui une gifle ou deux. Mais serre-toi de ta tête. Ouais, Billy, c'est ça, la tête. Virgile! Virgile! Très bien, vas-y, vas-y. Virgile! Virgile! Oh, te voilà enfin! C'est à se demander si tu n'as pas une passoire dans la tête. Va chercher Cooter et allez charger le camion de Monsieur Bird! Dépêche-toi! Cet idiot doit avoir une pendule dans les fesses. Monsieur déteste attendre. Pour qui il se prend? Oh! On t'a jamais appris à frapper avant? Non. Ôte-moi ce stupide petit sourire de ton visage! Quoi, tu trouves ça très drôle, hein? Tu sais, il y a plein de gens qui sont restés estropiés pour 10 fois moins que ça! Billy, il a dit que je devais vous garder ici.
Ah oui, et qu'est-ce qu'il a à voir avec tout ça, ce sinistre imbécile? J'espère que cette espèce d'abruti va crever en prison. Est-ce que vous pouvez vous secouer un petit peu, les gars? J'ai pas que ça à faire, moi. Madame Graffunder! Allez, dépêche-toi. Sors de ta caisse. Ça va, Billy? Qu'est-ce qui s'est passé? Où est Graffunder? Mais j'ai fait tout ce que t'as dit, mais sans la tête. Madame Graffunder! Dis-moi ce que tu as fait. Dis-moi ce que tu as fait exactement. Oh, oh Billy. Oh. Oh, Billy, excuse-moi. Excuse-moi, Billy, je fais que des bêtises. Oh. Madame Graffunder! Tu restes ici. Qu'est-ce qu'on va faire, hein? Je retournerai pas en tôle. Dépêche, il faut vider ce coffre. Mène-toi! Oh non! 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 Oh non, refermez le coffre! Oh pitié, dis-moi que t'as pris le pognon avant. Et non, j'ai pas pris le pognon, Billy. T'avais dit que tu le ferais, c'était ça le plan. Le coffre est fermé, on va finir sur la chaise et on aura eu que dalle. Et Billy, t'as oublié le type avec sa marionnette? Il a toujours plein de fric sur lui. Tu disais qu'il avait 500 billets faciles. Oh, et le petit père Bird? Lève les mains en l'air, Bird! On veut ton fric! On veut pas goûter à tes 36 parfums! Ouais! Non, non, pitié! Épargnez-moi! C'est pas moi qui t'avais balancé! J'ai essayé de l'en empêcher, là! Ça suffit! Arrête tes foutaises! Vas-y, Virgile! Montre-lui qu'on a les moyens de le faire mal! La tête, hein, Billy! C'est un taré! Eh, c'est un taré. Ça lui apprendra à pas nous dire où il a planqué son fric. Il va nous le dire maintenant. Hein? Il va nous le dire. Il va le dire. Tu sais qui c'est le taré? C'est toi! Oh, t'es nul! Il faut trouver le pognon. D'accord? Toi, tu vas voir dans sa chambre. Oh, moi, je vais fouiller le reste de la maison. Allez, gronde-toi! Thank you.
Ah, des glaces partout. Alors ça, c'est génial. Virgile, viens vite voir. Bah, il faut que tu vois ça. Virgile. Waouh. Hey, Virgile. Alors 2 ans, c'est pas assez long, c'est ça? Oh non! Il t'a tué! Je t'avais prévenu. Oh non! Virgile! Oh Virgile! Maintenant, c'est entre toi et moi, Billy. Et ce n'est pas fini. Ah! Tu vas enfin payer cette fois! Non! Non! Oui, oui! Oh, c'est si triste. Je parie que toi et ton frère, vous étiez très liés. Va te faire foutre! Laisse-moi te parler de mon frère. On était très liés aussi, jusqu'à ce qu'il le tue. D'ailleurs, on est toujours très proches. Regarde à quel point... Regarde ce que vous avez fait! J'espère que tu es fier de toi! Mon Dieu, non! Avoir un frère, c'est souvent un peu... pesant, n'est-ce pas? Le tien, tu aurais bien aimé pouvoir t'en débarrasser, hein? Eh bien, c'est fait. Mon frère Earl, il n'était pas du tout du genre mondain. Hein? Mais quand il faisait la voix de petit Willy, c'était un sacré bon vendeur de crème glacée. Ah, il va vraiment me manquer. Va en enfer, sale monstre! Toi d'abord. Hé, hey, Burn, tes glaces, elles puent. Oh, lâche-moi un peu. Et tu pues, toi aussi. T'entends ça, Earl? Il a dit que nos glaces sentaient. Ouais, tu parles. Et qu'on puait. Tout fout le coup. C'est dommage pour Billy et Virgile, mais vous savez ce qu'on dit des frères? Qu'ils sont unis par le sang. Et quant à ce Bird, il est resté dans les glaces, bien entendu. Et il a très bien réussi. Tout le monde adore ses parfums. À en crever. Bon, je dois reprendre mon entraînement dans une semaine où je joue à Washington contre les écorchés vifs. 45, 22, 33. Mais espèce d'idiot, je n'ai pas demandé un coup de main. Thank you.
Ce soir, je vais vous raconter l'histoire d'un homme et de sa petite amie. Mais seulement, il va y avoir un cadavre. 10 millions de points. Mais c'est vraiment génial. C'est génial, ça. Salut, les monstres. Ne me demandez pas pourquoi, je suis accro à ce jeu. Mais j'adore ça. J'adore faire tilter la boule. Et je pourrais y jouer toute la nuit. Ce qui me rappelle cette histoire que je vais vous raconter. Il s'agit d'un couple de joueurs qui va découvrir à ses dépens ce qui arrive quand on ne tue pas dans les règles de l'art. Cette histoire s'appelle Les Feux de l'Enfer. Tu mets toujours ta ceinture de sécurité, même quand je ne suis pas là. Même quand tu n'es pas là. Tu es sûr? Tu n'oublies jamais. C'est que je m'inquiète pour toi. Et tu fais bien tes exercices. Tu continues à prendre tes cours d'aérobie. Arrête, Gina. Mais bébé... Chérie, tu commences à me fatiguer. Tu n'as pas à t'occuper de moi. Tu agis comme si nous étions mariés. C'est que je ne veux pas te perdre. Si jamais tu avais une crise cardiaque. Je n'ai pas l'intention d'avoir une attaque. À moins que tu me donnes des idées pour ça. Très bien. Mais est-ce que tu as pensé à ta retraite? Est-ce que tu as cotisé? Partout les diables de l'enfer! Laissez-moi sortir de cette boîte! Je veux bien être piqué avec du faux poison et prétendre être mort, mais ça c'est une chose. Mais continuer à entendre des âneries pareilles, alors là je crois que je vais taper mes réserves. Un serpent de fric, ça marche comme sur des roulettes. Attrape ça, vieux. Alors maintenant, tu vas arrêter tes niaiseries, hein. Mais où sont passées ces fringues? J'ai à peine le dos tourné 6 pieds sous terre que t'en profites pour fricoter avec cette femelle. La ferme, Larry. Ça ne te regarde pas. Ah, d'accord, je vois. Tu peux continuer à prétendre que cet imbécile n'en veut qu'à tes fesses, et lui, il peut continuer à prétendre que ça lui fait aucun effet, ça, je m'en fous. Mais quand je suis dans la boîte, tu ferais mieux de te concentrer pour faire fructifier mon argent, c'est compris? Ou sinon, je ressuscite. Et je t'éclate la tête à coups de hache, et ensuite, je te découpe en rondelles, et je te donne à bouffer à une tribu de cannibales. Est-ce que j'ai été suffisamment clair? Je suis un peu vieux jeu, mais je ne supporte pas qu'on manque de respect à une femme comme toi. Oh, bébé, tu es le meilleur. Qu'est-ce que tu dirais d'aller faire un petit tour à Vegas, histoire de faire la fête? Oh, bébé, je sais exactement quoi faire de cet argent, figure-toi. Quoi? T'essayes de m'avoir? Je vais investir cet argent. Je vais le placer à 90% qui rapporteront 80 000. Ne laisse jamais personne te bluffer. Je vais m'occuper de ton argent. Et moi qui pensais avoir rencontré une belle fille sans la moindre cervelle. Tu aurais dû te débarrasser de moi le premier jour. Et tu sais, je crois que c'est le début d'une grande amitié. Mais t'es vraiment sûr que tu ne veux pas aller faire un petit blackjack? Vegas, c'est pour les imbéciles. On a beaucoup mieux à faire. Bon, très bien. On retourne travailler. Je connais un endroit pas très loin qui pourrait faire l'affaire. Hey, t'as de la chance. Merci, Kimli, t'es un petit ange. Oh, formidable. On commence à avoir soif, ma jolie. Hey, ton père t'a pas appris à être poli avec les dames? C'est moi son père et je veux pas vous offenser, bien au contraire. Mais j'ai très bien élevé mon fils. Tout le monde ici en est témoin. Seulement là, accordez-lui le bénéfice du doute.
Montrez-lui une vraie dame. Et il se montrera respectueux. C'était juste une petite plaisanterie. Regarde un petit peu la gonzesse. Soyez la bienvenue. C'est gentil à toi, l'ami. Une tournée générale pour tout le monde et une bouteille de whisky au bar pour moi. Entendu. Je peux vous offrir un verre? Bats les pattes, mon joli. Tu n'as aucune chance. C'est une lesbienne! Écoute-moi. Je ne suis pas lesbienne, chérie. Je n'ai pas l'habitude de me laisser marcher sur les pieds. J'aime les vrais hommes, mais pas les petits avortons dans ton genre. Mais où vas-tu, grand-père? Je vais aux toilettes. Te fous pas de moi. Va t'asseoir. Qu'est-ce que vous voulez, au juste? Laissez-le aller aux toilettes, sinon vous êtes une peste. Silence, ça suffit. C'est un mot que je déteste. Peste. Il suffit qu'une femme montre un peu d'autorité, et c'est une peste. Les mecs. Vous êtes tous les mêmes. Vous êtes comme les types pour qui je travaille. Ils veulent que je la ferme et que je fasse du bon boulot. Et tant que je suis une bonne petite fille bien docile, ils me caressent le poil dans le bon sens toute la journée. Ils disent que je suis géniale et quand ils n'ont plus besoin de moi, ils me jettent comme une malpropre. J'en ai plein les bottes. Ras-le-bol des mecs et de la compagnie. Mais excusez-moi, madame, mais quel genre de travail vous faites exactement pour tous ces gens? Je cherche du pétrole. Du pétrole. La découverte et la distribution de l'or noir. Ah, bon. Ah, vous voilà. Je savais que je vous trouverais ici. Il faut que vous téléphoniez à Lécher et Malkin au plus vite. Je vous l'avais dit, c'est très profond. Mais je crois qu'on a trouvé. Quoi? Trouver quoi, Jerry? Du pétrole? Il faut que je vous parle en privé. Ils ont trouvé du pétrole. J'entendais du pétrole. Du pétrole. Regardez-les tous. Ils ont l'air très intéressés. Qui est le propriétaire? Peut-être qu'un de ces messieurs a tiré le jackpot. Qui est le gagnant? Qui est le regagnant? C'est personne. Tu plaisantes? Écoute... Je ne crois pas que la compagnie apprécierait beaucoup que nous parlions devant... Va te faire voir, je n'ai d'ordre à recevoir de personne. J'ai l'impression que tu as assez bu. Et moi, je crois que la dame veut rester. Qu'est-ce qui te prend, Jerry? Pourquoi est-ce que tu ne veux pas leur parler de notre découverte? Écoute, je ne peux pas, je suis désolé, mais ce n'est pas aussi facile que ça. Et pourquoi ça? J'ai 5000 dollars, je vais au motel et je te les donne, Jerry. 5000 dollars pour toi tout seul si tu me dis où se trouve le gisement. Pour les 5000 dollars, je n'ai rien contre, mais je perds mon travail. Moi aussi, je mets 5000 dollars. Je veux être associé. Moi aussi, ça fait 15000. J'apporte aussi ma contribution. Et moi. Ça fait 25 000 dollars, Jerry. On achète ton rapport. Qu'est-ce que tu en dis? D'accord. Pour 25 000 dollars, vous aurez mon rapport dans une semaine. Mais je veux avoir l'argent dès ce soir. On est riches. Merci, ma jolie. Du pétrole. Écoutez-moi. Parce qu'il y a un léger problème. Ah bon? Le pétrole? Oui. Qu'y a-t-il? Il est sous le cimetière. J'aime pas cet endroit. T'as raison, moi ça me donne la chair de poule.
Je ne pense qu'à ça et je ne peux même pas t'embrasser. Ce ne sera plus très long et on pourra enfin en profiter. Tu ne trouves pas que la serveuse est plus jolie que moi, par hasard, hein? Quelle serveuse? Je n'ai Dieu que pour toi, chérie. Oui, tu as intérêt. Tu as installé la nappe de pétrole? Oui, chef. Là, c'est là-dessous. Et regardez, ça bouillonne. C'est une petite infiltration. Une quoi? Eh bien, c'est très simple. La nappe de pétrole est très profonde, mais certaines fissures du sol sont suffisamment importantes pour laisser le pétrole filtrer. Il comprend rien. C'est comme les bulles dans le bain, si vous voyez ce que je veux dire. Ah ben très bien, ça va très bien. Oui. Ah ouais. Hein. Qu'est-ce qu'on fait alors? Le cimetière est la propriété de la ville. Eh ben, on devrait ouvrir notre propre compagnie et vendre ses stocks à tous ceux qui sont susceptibles d'être intéressés. T'es malade? C'est dangereux. Tu dis quoi, toi, papa? Non, mais il a raison, Spider. On devrait protéger notre investissement. Oui. Je n'arrive pas à croire que j'ai devant moi des gugus qui veulent devenir patrons et qui ne trouvent même pas une solution. Nous allons trouver quelque chose. Vous feriez mieux. Parce que de toute façon, je veux mon argent. T'inquiète pas, tu l'auras ton argent. C'est seulement une question de temps. Il y a intérêt. Sinon, les choses risqueraient de mal tourner pour vous. C'est pas très appétissant, mais pour un peu de liquide comme ça, plus d'un tuerait père et mère. On ferme dans 5 minutes, mais je peux rester ouvert plus tard. Pourquoi est-ce qu'ils sont si longs? Du calme, bébé, ils vont arriver. Eh ben, tout est là. 20 000. Donne-les-moi. Qu'est-ce qui se passe? Disons que les plans ont changé. Qu'est-ce que c'est que ces histoires? Je vais appeler la compagnie dès maintenant. Assieds-toi, beau gosse. Le fric est toujours à toi si ta petite copine nous accorde une faveur. Alors là, tu rêves. La ferme, Jerry. Assieds-toi. Quelle est cette faveur? Vous aviez l'air honnête au cimetière. On ne peut pas faire un acte de propriété sans éveiller les soupçons. Et si nous voulons acheter tout le terrain? Nous voulons commencer à forer dans 2 mois. Ça, c'est la bonne nouvelle. Et la mauvaise? Il faut acheter le terrain. Seulement pour ça, il nous faut un homme de paille. Mm-hmm. Qui, en l'occurrence, sera une femme. Ouais. Je n'ai pas de quoi payer. Non, mais nous si. Vos 5 000 $ suffisent. Et nous vous donnerons le reste. Et je deviens votre partenaire? Exactement. C'est très clair. Combien ça me rapporte? Oh, ça suffit. Il faut qu'on y réfléchisse, Gina. Combien? Donnez-moi un chiffre. Un joli petit paquet d'argent. 70 000 dollars. C'est ça. C'est pas mal. Hein? Je marche. Génial. Quand je pense que nous aurions pu quitter la ville avec 20 000 dollars. Seulement, tu n'en as jamais assez. T'es cinglée, Gina. C'est trop tard, bébé. J'ai ramé pour cet argent et je n'ai pas envie de tout laisser tomber. Tout ce dont j'ai envie, c'est de déposer cette petite fortune à la banque. Tu es complètement folle, tu sais ça? Écoute, bébé, je comprends très bien que tu puisses être jaloux de cette situation. Va au diable, sale peste. Oh, tu vas t'y mettre à présent, toi aussi. Écoute, j'en sais plus sur cette histoire que tu n'en sauras jamais. Vraiment, tant que tu t'accrocheras à tes vieux principes du genre, il faut se méfier de tout le monde, tu n'avanceras pas. Tu n'es pas tout seul à décider. Bébé, ne te tracasse pas, tout marche à merveille. Je ne resterai pas ici une minute de plus, je me tire. Attends, mon bébé, je suis désolée. Mon bébé, attends, je t'en prie, Carl. Va au diable. Promets-moi que tu seras là demain. Où est-il? Il est là.
Espèce d'ordure, j'aurais dû te tuer. Tu crois que tu vas t'en tirer comme ça? Salopard! Où est le fric? Je veux savoir où tu as mis mon argent. Tais-toi. Eh ben, votre petit copain, il est allé dans la maison de William. Visiblement, il avait l'intention de nous doubler. Ensuite, il est reparti. Et puis, Carty vous a vu tous les deux la nuit dernière. Vous aviez eu une conversation animée. Une querelle d'amoureux. On espionne. Eh ben, disons que je passais par là. Par hasard. D'accord, le hasard fait bien les choses. Et ensuite? Ah ben finalement, on a réussi à le retrouver, on a appelé Spider. Et Carty, mon garçon, il est doué. Il savait très bien où il était. Il était allé faire un petit tour et on l'a retrouvé installé dans la maison de Joe Osborne. On a cherché partout les 25 000 dollars ce matin. Joe Osborne? Qui est-ce? Pour tout vous dire, c'est pas il, mais elle. Joe Osborne, c'est la serveuse du bar dans lequel on s'est rencontrés. Je commence à comprendre. Très bien. Laissez-moi faire. Hey, qu'est-ce que c'est, ce truc-là? Au cas où vous ne le sauriez pas, messieurs, c'est un acide extrêmement corrosif que les professionnels, comme je le suis moi-même, utilisent beaucoup, trouvant dans ce produit de grandes satisfactions. Vous disiez, monsieur Peter Meyer? Ben, il n'y a plus grand-chose à ajouter, madame. Spider et Carty, ils l'ont surpris. Ils l'ont attrapé, ils l'ont amené ici, et ils ont cherché l'argent partout. Ah, mais ils n'ont rien trouvé. Il a caché l'argent. Monsieur Peter Meyer, vous n'avez rien oublié, n'est-ce pas? Donne-nous, madame. Il n'a rien oublié, Jerry. Non. Où est mon argent? C'est ta dernière chance, Jerry. Écoutez, est-ce que c'est vraiment nécessaire? Ne vous mêlez pas de ça. Des détails, Peter Meyer. Il faut tout me dire. Où les avez-vous trouvés? Dans quelle pièce? Dans la chambre. Ta dernière chance, Jerry. Tu peux toujours t'accrocher. Où? Dans la chambre, Conrad? Au pied. Ils étaient tous les deux dans le même lit. Et tu veux que je te dise, c'était fantastique. J'ai eu ta peau. Tu es bien comme tous les mecs. Bon, eh bien, remuez-vous. Enterrez-le. Nous avons encore beaucoup de travail. J'y vais. Oui. J'ai comme dans un rêve. Oh, tu aurais vu leur tête quand je t'ai piqué avec le faux poison. Ils ont tout commis. La plus commune jalouse, le vol de l'argent, l'acide et tout le reste. Laisse-moi sortir. Je me dépêche, bébé. C'est de mon mieux. Peut-être que ce n'est pas nécessaire, ma jolie. Tu vois, je suis déjà dehors. Carl! Oui, bébé. Mais je ne comprends rien. Si tu es déjà dehors, tu... Je te fais peur, mon bébé. Tu as perdu ta belle assurance. Que veux-tu, le pétrole, c'est une histoire d'homme. Tu m'as trahi. Où est l'argent? Pourquoi tu ne m'en as pas parlé? Il te l'a déjà dit. Le pétrole, c'est une affaire d'homme. Je suis ravi de te revoir, Gina. Pour une fois, tu dis rien. Tu ne peux pas toujours avoir le dernier mot. N'est-ce pas, ma petite? C'est comme si on avait jeté un os en pâture à une bande de chiens errants. Pas vrai, les mecs? C'est mon argent, Larry. Non, c'est fini. Il est à nous, maintenant. J'aimerais beaucoup te présenter le reste des membres de notre petit club, très privé, dans lequel il n'y a pas de femmes. C'est pourquoi certains pensent que nous devrions nous débarrasser de toi tout de suite. Les garçons, Gina. Gina
les garçons. Salut, Gina. Désolé, bébé, tu sors du jeu. Pourtant, ce soir, tu as été parfaite, comme toujours. Mais c'est terminé. Allez, chandelier. Et donne ta main. T'as été très bien, Cartier. Oh, oh zut. Oh, oh, c'est tout gluant. Montrez-nous ce que c'est. Du pétrole. Ça sent mauvais. C'est pas vrai. Il y a vraiment du pétrole dans ce cimetière. Le seul homme est plein. À nous, la fortune, les mecs. Ne vous réjouissez pas trop. Souvenez-vous d'une chose, messieurs. L'enfer n'est rien à côté de la colère d'une femme. Et ce soir, vous allez voir ce que c'est qu'une vraie peste. Oh non! Allez voir ce que c'est qu'une vraie peste. Oh non! Vous avez vu comme les choses ont mal tourné pour Karl et la belle Gina. Je veux parler de la fortune et du feu. Vous voyez, les gamins, il y a quelque chose de particulier dans ce conte qui m'intéresse vraiment. À nous, la fortune, les mecs. Je veux parler de cet acteur. Ah oui, les autres sont excellents, mais celui-ci, c'est vraiment un comédien tout à fait étonnant. Il est de la trempe de Gary Capper ou de Roger Moore. Et cette voix, aïe aïe aïe, j'ai l'impression qu'elle me rappelle quelqu'un que je connais. De tourner des films et il arrive même que ça finisse très mal. Ce soir, nous allons être en présence de garçons ayant du temps à tuer. Ils ont tous une envie folle d'entrer dans le monde des films d'horreur. Et comme ils ont de la chance,
c'est exactement ce qui va se produire. Cet ordre. Annonce. Action. Oh. Oh non, c'est pas vrai de voir ça. C'est vraiment dingue, ce truc. Hey, mais pourquoi tu râles comme ça? Il y avait 53 pastilles à la menthe là-dedans. Et devait y en avoir 54. T'en as peut-être offert une pour une fois. Oh, oh, regardez ça. Dans le noir, je m'en étais pas rendu compte. Le fond est tout plein de beurre. Oh, c'est dégoûtant, il touche pas. Il y a des grains de maïs qui ont pas éclaté. Ouais, mais c'est ce que j'aime, justement. Ah, mais arrête un peu, t'es pire qu'un zombie, ma parole. Non, attends, c'est pas ça du tout, un zombie. Tu confonds tout. Un zombie coupe la tête d'un poulet avec ses dents et boit tout le sang qui coule. Oh, tu veux dire comme ta mère? Non, je veux dire comme ta sœur. Justement, elle bat le beurre. Moi, je préfère de loin les androïdes aux zombies. Pourquoi? Bah, parce qu'un androïde, c'est moins repoussant qu'un zombie. Et puis surtout, il est beaucoup plus fort que lui. Il a une vision infrarouge? Ouais. Et puis, il a aussi toutes sortes de détecteurs ultrasoniques. Moi, je préfère les zombies, ils sont plus drôles. De toute façon, arrêtez de dire n'importe quoi. Toutes ces créatures horribles, bah, ça n'existe pas. Comment tu peux en être sûr? Je le sais. Oh, c'est pour ça que moi, j'ai pas peur de tous ces monstres bidons qu'on voit dans les films. Ah, et c'est ce que tu racontes? Non, c'est parfaitement vrai, j'ai pas peur du tout. Oh, si t'en voyais en face de toi, tu l'entendrais appeler sa maman. Arrêtez, vous me faites mourir de rire. Hé, hey, vous avez vu ça? Quoi? J'ai vu bouger quelque chose. Non, fais pas l'idiot. Oh, j'ai très peur, oh là. Mais je blague pas. J'ai vu un œil rouge. Ouais, c'est Predator peut-être. Soyez pas idiots. Regardez. Imbécile. Je t'ai eu, Norman. Quel imbécile. Mais t'es idiot. T'es content? Arrête de rire. Hey, il vient de dire qu'il avait jamais peur. Si tu t'étais vu, je parie que t'aurais eu honte. J'ai cru que les yeux allaient te sortir de la tête. Non, en fait, j'ai juste été un peu surpris, c'est tout. Hey, les gars, admirez la vedette de mon tout dernier film, Le Gros Trouillard dans une ruelle sombre. J'ai pas eu peur. Hey, regardez ça. Oh, c'est dégoûtant. Oh, alors là, il exagère. Il a eu si peur qu'il a fait dans son pantalon. Hey, dis-moi, le grand metteur en scène, t'es prêt à filmer quelque chose qui fait très peur? Ouais. Filmer Norman en train de dîner, ouais. Sérieusement? Un vrai film d'horreur? Ouais. Ouais, d'accord, à quoi tu penses? Qu'est-ce que tu dirais d'un vrai cadavre? Qu'on verrait de près. C'est trop bête, c'est fermé à clé. On va essayer d'entrer par une fenêtre. Allez, par ici, les gars. Suivez-moi. Hé, hey, attendez, je sais pas si c'est une si bonne idée que ça. Ah oui, pourquoi? T'as la trouille, Norman? Non, tu vas voir. Dépêche un peu. Tu devrais maigrir, tu sais. La ferme. Tu sais que t'as une grande carrière de cambrioleur devant toi? Très drôle. Chut. Tiens, prends ça. Une chaleur d'enfer ici. En tout cas, j'aime pas trop cette odeur. Ça alors, éclaire par là-bas, s'il te plaît. À quoi ça sert, ce fauteuil de coiffeur? Peut-être qu'Esbrook rase et coiffe les morts avant de leur vider le ventre. Ah, oh non. Et qu'est-ce que c'est que ça? Et ça alors? Attendez, je suis prêt à parier qu'il y a un cadavre là-dessous. On va vite le savoir. Un jour, mon père m'a raconté qu'Esbrook a couvert le livre d'un écrivain mort avec sa propre peau. Ah, oh, tu crois encore ce que ton père te raconte? Ah, oh, c'est pas vrai. C'est Madame Groves, la libraire. Oh non, ça y est, là, je vais vomir. Je savais pas qu'elle était malade. En tout cas, elle était sympa avec nous. Qu'est-ce que c'est? Oh, c'est sûrement Esbrook. Allez, on fiche le camp d'ici. Non, cachons-nous, cachez-vous.
fiche le camp d'ici. Non, amène-toi ici vite. Dépêche-toi, entre là-dedans. Lucie, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que tu comptais t'enfuir loin de moi, après ce qui s'est passé entre nous deux? Je n'ai jamais compris au cours de tout ce temps ce que tu avais contre moi et pourquoi tu m'as toujours repoussé si froidement. Maintenant, tu es à moi. Oh, tu pourras être souriante. Je vais te rendre très belle. Non, c'est pas assez. Tu peux faire beaucoup mieux que ça. Quelque chose à me dire? Oh, quelle erreur! Je t'ai laissé trop longtemps dans ton état. Tu allais te vider avant même que je sois prêt à tout recueillir. Hein? Lucie, 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 je ne sais plus quoi te dire. La 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 la. Oh, Lucie.
Allez, amenez-vous. Qu'est-ce que vous venez faire? Vous êtes fou si quelqu'un vous voyait. Norman! Norman! Très mauvaise mine dedans. Oui, j'ai mal au ventre. Et j'ai besoin d'élixir pyrrhorique. Vous voulez savoir qu'il y a des médicaments plus modernes aujourd'hui. Oui, mais vous me connaissez, je suis resté de l'ancien temps, moi. Qu'est-ce que vous venez faire? Je veux ma part. Et je veux être payé la nuit précédant les funérailles. Vous avez raison, vous êtes paranoïaque. Tenez. Mais qu'est-ce que c'est que ça, 500 dollars seulement? Il s'agit de funérailles à 1500 dollars. Ce n'était qu'une libraire, vous l'avez oublié? Après mes frais, il ne me restera à peine que la moitié de ce que vous empochez. Quels frais? Me faites pas rire. Vous allez la flanquer dans un vulgaire cercueil en contreplaqué. Vous voulez gagner plus d'argent avec ça? Alors la prochaine ordonnance que vous délivrerez, trouvez une victime qui ait de quoi s'offrir des funérailles luxueuses. Rassurez-vous, c'est exactement ce que j'ai fait. J'ai empoisonné un médicament contre l'asthme qui m'a été demandé par quelqu'un dont la famille a de très gros moyens financiers. Je savais que ceci ferait revenir le sourire sur votre visage. Bon, eh bien, je vous laisse. Je dois passer voir un malade, mais pour le guérir, celui-là, parce qu'il est pauvre. Je vous fais livrer votre élixir pyrrhorique dès demain matin. Je suis très sérieux. C'est pour ça que Madame Groves est morte. Esbrook et l'autre type l'ont tué. Ah, oh, dis pas n'importe quoi, Norman. Comment veux-tu qu'on te croie une autre fois? Si tu racontes ce genre de bobard. Je vous répète que c'est vrai. L'autre type travaille dans une pharmacie, je suppose. Et il a empoisonné un médicament contre l'asthme, d'après ce qu'il a dit. Oh, arrête, on ne te croit pas. Hey, Joss, tu connais pas la dernière de Norman à propos d'hier soir? Il a dit qu'une fois... Mais qu'est-ce que t'as? Mon père est mort cette nuit. Quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est une crise d'asthme qui l'a tué. Crise d'asthme? Il a pris un médicament hier soir? Oui. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? On a quelque chose à te raconter. Je m'appelle Joshua Kwan. Et mon père est... Mon père est mort empoisonné par le croque-mort. Sébastien Esbrook. Et le pharmacien de chez Grundy est son complice. Oui, il a des chaussures en peau de serpent. Je les ai vues. Oh. Notre mission, c'est d'essayer de réunir des preuves sur une... Et ensuite, on ira les livrer à la police. Ouais. Et on ne sait pas si on sera vivant ou mort quand vous trouverez cette cassette. On espère que celui qui la trouvera la portera vite à quelqu'un de la police. Ouais. Assez parlé. Le pharmacien est là. C'est la grosse tuile, il y en a deux. Il faudrait voir leurs chaussures. Ça, je m'en occupe. À admirer l'artiste. Je pense que ça doit être celui-là. Il avait des grands pieds. Et pourquoi pas l'autre? C'est pas le physique d'un tueur. Regardez l'autre imbécile de Brian. Il est pas discret, il s'est déjà fait repérer. Il l'a fait exprès, il a seulement fait semblant de voler. Ça y est, ils vont le coincer. Ah, c'est un vrai kamikaze. Hé, hey, regardez leurs chaussures. Ah, c'est ni l'un ni l'autre. Bonjour les enfants, vous avez un nouveau jouet? Ouais. Bonjour Monsieur Grundy. Pourquoi vous braquez cette caméra sur nos vieilleries alors qu'il y a tellement de belles filles dans les rues de notre ville? Je crois que c'est plus agréable, non? Norman, j'y pense tout à coup. J'ai plusieurs livraisons à te faire faire ce matin. Ouais, bien sûr, Monsieur Grundy. Ça va te faire gagner un peu d'argent. Les chaussures, regarde les chaussures. C'est lui qui a tué mon père. J'ai une idée. Oh, c'est dingue. Monsieur Grundy, qui aurait cru ça? Oh, mais regarde ça, c'est pas vrai! Hé, hey, les gars! Voilà, j'ai mis de l'acide pur à la place de l'élixir pyrrhorique. Ouais, bien joué. Ne me dis pas que t'as peur. Et puis on est tous là, derrière toi. Ouais, et si jamais il avalait ça, on irait droit sur la chaise électrique. Et alors là, très franchement, toi t'es tranquille, Norman. Tu viendrais jamais dedans. Dépêche-toi, qu'est-ce que t'attends? Allez! Bouscule pas, c'est dangereux. Je
Monsieur Hesbrook, vous êtes là? Oui. Bonjour, je vous apporte un médicament de la pharmacie Grundy. Oui, donne-moi ça. D'accord. Voilà, monsieur. Oh. Dis donc, c'était drôlement fort, hein. Qui t'a donné ça? C'est l'autre vieux schnock. Attends une seconde, ne t'en va pas. Reviens ici tout de suite. C'est le moment, on y va. Vous deux, vous entrez, et moi, je surveille dehors. Allez, dépêche-toi. Oh, quel idiot, j'ai cogné la caméra. Viens vite, dépêche-toi. Ah, mais qu'est-ce qu'on cherche? J'en sais trop rien, fouille partout, on verra bien. Tu trouves quelque chose? Non, rien du tout. Hey, regarde ça! 5000 dollars! Hesbrook avait dit que les funérailles lui avaient rapporté 1500 dollars. Oh, quel escroc! Et il a relayé Grundy. Ouais, et ça, ça va nous être très utile pour la suite. Ah. Allez, tiens, prends tout ça. Il faut trouver une bonne cachette. On sera bien là-haut. Ouais, bonne idée. Tiens ça une seconde. C'est bon, donne. Allez, à ton tour, viens vite. Ah, bravo. Voilà un corps splendide, hein, Lucie? Regarde, il est cinglé. Oh, il manquait plus que ça. Les batteries sont nazes. Vous m'avez roulé pour la dernière fois, vous m'entendez? Quoi? On m'a déposé une poignée de vos factures dans ma boîte aux lettres, de vos véritables factures. Quoi? À partir de maintenant, je ne marche plus dans vos combines. C'est fini! Mais je n'en suis pas aussi certain que ça. Sauf si, bien entendu, vous acceptez que je parle aux autorités de ce qui est vraiment arrivé à votre femme. À l'époque, ils n'ont pas envisagé qu'elle avait été empoisonnée. Et une autopsie les renseignerait. Mais je m'attendais à ce que vous me disiez ce genre de choses-là. Regarde! Nat, allons, allons. Non, non, voyez, attendez, c'est un coup du fils de Kwan, il a inventé tout ça pour nous dresser l'un contre l'autre. Non, mais attendez, j'ai la preuve juste là, tenez. Attends. Ça va? Qu'est-ce que vous faites? Vous avez eu tort de me prendre pour un pauvre imbécile. Regardez, c'est votre médicament. Non, non, je comprends pas. Vous allez tout boire. Non. Et soyez bien sage. Non. Allez, ouvrez la bouche. C'est ça, oui. Buvez, c'est excellent, l'acide. Savourez-le. C'est une très bonne année, n'est-ce pas? Ah, mais je vois que vous êtes un connaisseur. C'est la dernière personne que vous tuez. Oh non, ce sera toi la prochaine. Hé, hey, une seconde, vous m'oubliez? Coucou, il y a aussi moi.
Ouais, on est tous là. Regardez, le petit oiseau va sortir. Vous êtes un tueur et on a tout filmé. Écoutez, posez toutes ces caméras et donnez-moi les bandes. Venez les prendre. Je vous fais remarquer qu'on a chacun notre caméra. Donne-moi ça. Allez, dépêche-toi, donne-la-moi. Donne ça. Dépêche-toi. Vous n'y arriverez pas. Arrêtez. Oh, je vois, vous employez les grands moyens. Allez, ça suffit comme ça. Le petit jeu idiot est terminé. Je veux toutes vos bandes et je les veux maintenant. Alors, donnez-moi les bandes ou je commence par lui, au hasard. Et par là, lui. Vous ne me prenez pas au sérieux? Vous croyez que je plaisante? Très bien. Un, deux... Allez, vas-y, voilà. Regardez, elle sourit. Dommage, pauvre Sébastien. Un brillant avenir s'annonçait pour lui, l'amateur de grande musique. Et quant aux quatre garçons, je sois renoncé à ces films d'horreur. Cette expérience-là, hélas, dégoûtée. Et les trois autres, ils sont tous devenus policiers. Le goût du sang a dû leur plaire. C'est vrai qu'ils avaient la certitude d'avoir identifié le vrai tueur. Après tout, qui oserait porter ce genre de chaussures en dehors d'un tueur? Je vous souhaite une nuit pleine de cauchemars sanglants. Et à bien tard.